Eh bien salut les amis, c'est Goblin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon PC comme vous pouvez voir avec Camstadia Studio 7. C'est quand même un logiciel qui coûte plus de 150 euros donc c'est le moment d'utiliser, même si je l'ai craqué. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo après ma vidéo sur Minecraft tuto comment changer de version. Bon, bref, j'avais fait aussi juste avant cette vidéo une vidéo information sur le premier pack DLC de Black Ops 2. Bah là on se retrouve pour une vidéo sur des informations sur GTA 5, enfin plutôt pas sur des informations, mais sur des analyses des screenshots officiels de GTA V. Donc on se retrouve, je vais vous montrer 30 photos, enfin 30 images, et je vais vous faire une analyse assez assez bien faite de ma part de ces photos. Donc le site c'est igta5.com, je le mettrai dans la description comme ça vous allez voir de vous-même. Alors déjà pour la première image, pour le premier screenshot, qu'est-ce qu'on voit? Ben déjà on voit un avion de chasse en second plan, là que je vous montre avec la flèche, avec la flèche, ouais, enfin avec la souris. Ici là au tout premier plan on voit un Boeing, ça sera un Boeing donc, avec dedans on voit un personnage donc, je sais pas trop c'est qui comme personnage, mais je crois que c'est, alors par contre j'ai parlé, je me rappelle pas les prénoms. Je crois qu'il y en a un qui s'appelle Michael, un truc comme ça, ou Michael, un truc comme ça. Trevor, et lui, ça doit être. Je crois que c'est Franklin, un truc comme ça. Oui, c'est Franklin, il me semble. Donc là, je crois que c'est Franklin dans un Boeing. Et là, vous avez un avion de chasse. Ensuite, derrière, vous avez Los Santos, la ville de Los Santos, avec un building en construction, comme vous pouvez voir. Et la ville de Los Santos, énorme, hein, franchement énorme. Magnifique, avec le soleil qui se couche. Et là, vous pouvez voir un petit zeppelin dans le ciel, qui se indirigeable. Donc, ils seront sûrement pourra sûrement les contrôler, car dans beaucoup dans les trailers, on les a beaucoup vus. On va passer au screenshot numéro 2. Donc là, on se retrouve un peu à un autre endroit, pareil où le soleil se couche. Vous pouvez voir déjà en second plan, enfin même en troisième plan, là ici, l'aéroport, c'est un aéroport, ça serait l'aéroport de Los Santos. Vu que ça se passe à Los Santos, ça risque d'être l'aéroport derrière. Ensuite, là, vous pouvez voir une espèce de mini sous-marin un peu bizarre, et voir que l'eau est vraiment bien faite. Ensuite, là, vous pouvez voir qu'il y a un espèce d'aileron, là, où je montre, avec ma flèche, comme si c'était un requin, donc, qui sait. On va passer au screenshot numéro 3. Donc là, le screenshot de mon PC. Donc, une voiture, une manana, j'ai l'impression, décapotable. Avec Franklin, oui, donc c'est bien Franklin, lui. Avec son chien. Car on pourra avoir des chiens, on pourra en acheter. Et il y aura des missions où on fera que son avec des chiens. Et là, vous pouvez voir qu'il y aura les tags bien faits. Une autre voiture, j'arrive pas à voir ce que c'est comme voiture. Et des magasins. Donc on va passer un screenshot au screenshot numéro 4. Donc voilà un requin. Donc vous voyez qu'il y a un requin avec un plongeur. Car comme Rockstar a dit, dans GTA 5, on pourra faire des plongées sous-marines. Enfin, on pourra faire faire la plongée sous-marine, aller voir sous l'eau les poissons et tout. Et là il y a un requin. Donc les requins nous attaqueront-ils ou pas? Reste à savoir. Attends, je change des gestes. Voilà. Screenshot numéro 5. Donc nous voyons Michael, je crois qu'il s'appelle lui. Franklin et Trevor, donc c'est ça leur nom. Donc là on voit Michael en train d'être avec un iPhone, enfin un téléphone, et ça me l'air de ressembler à un iPhone. Franklin qui est contre sa belle voiture rouge, et Trevor qui a l'air un peu paumé là. Derrière vous voyez des beaux buildings magnifiques avec des palmiers. Donc pas trop de plus à dire, à part que ça se passe pendant l'année. Screenshot numéro 6. Vous pouvez voir donc Los Santos avec les palmiers, la ville bien éclairée pendant la nuit. Vous voyez Franklin qui conduit un bateau, les reflets de l'eau, magnifique. Pas vraiment plus d'autres choses à dire. Ensuite, là, vraiment très 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 beau screenshot. Le coucher de soleil. Vous voyez là ici Los Santos. Et qu'un pont là, je sais pas c'est lequel pont par contre. Un bel hélicoptère et là un joli bateau, un paquebot. Donc franchement un beau screenshot quand même. Allez.
Screenshot numéro 8. Donc là, on peut voir qu'on pourra faire du base jump, pardon. Donc c'est du saut en parachute, quoi. Comme dans beaucoup, dans GTA 4, il y était, dans The Ballad of Gay Tony aussi. Il y était, et là, on pourra le refaire. Et voilà. Donc ce screenshot là est un peu pour nous dire ça. Ensuite, ce screenshot là, on voit Trevor qui est en train de faire du quad. Donc il y aura peut-être des activités de quad qui est en train de faire une cascade. Là, on voit qu'il y a un carrefour avec des vieilles routes bien faites, franchement bien fait, avec un hôtel là, un vieil hôtel en tout cas, comme vous pouvez voir, motel, donc on veut dire hôtel. Et là, les collines vraiment très 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 bien faites. Bon, on sait que c'est des screenshots, c'est amélioré dans le jeu. Ça sera un petit peu moins joli, mais ça restera magnifique. Donc là, c'est sûrement une mission où on voit que le gars il descend. Je crois qu'il descend du lui-même. Pas très discret. Bon, ça a l'air d'être une mission. En tout cas, je pense, hein. Screenshot numéro 11. On voit Trevor avec la gueule un peu bizarre. Là, vous pouvez voir qu'il a des cicatrices assez bien faites. Et un vieux panneau derrière. Pas de chose de plus à dire. Donc là, on voit un peu le screenshot le même que tout à l'heure, sauf différemment. Et là, vous pouvez voir qu'il y a deux autoroutes, une qui passe au-dessus de l'autre. C'est vraiment un géant. Je sais pas vraiment où aller. En tout cas, vraiment un géant de cette ville. Donc là, GTA 5, c'est un peu GTA San Andreas trophée. Donc là, ça va être sûrement aussi une mission. On voit quelqu'un qui conduit une moto. Donc là, je crois que c'est Franklin, mais je suis pas sûr. Et quelqu'un qui est dans une voiture, que je dirais peut-être une Mustang, vu comme ça, mais je vois pas trop bien. Voilà, donc pour vous montrer deux beaux véhicules. Donc ensuite, la mission, hein. Je vais pas en parler plus. Si je vais juste retourner. Là, vous pouvez voir des jolis ordinateurs quand même. Ce sont plus des vieux cubes comme il y avait dans les anciens GTA. Vraiment des jolis ordinateurs. Vu que ça se passe vers 2008, un truc comme ça. Donc là, vous pouvez voir que déjà en premier plan, on voit Franklin avec un Space 12, une explosion de voiture avec des feux, enfin avec le feu bien fait, la police qui est derrière, que je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec son fusil à pompe. Bref. Alors là, c'est juste magnifique. C'est magnifique. Regardez la ville de Los Santos, magnifique. Allez, tout simplement, géante, là, vous avez la ville ici, là, hop, toute cette partie-là. Et après, à partir de là, hop, là, il y a la montagne. Vraiment géant. Et là, la coupeur d'eau pour stopper l'eau. Vraiment magnifique. Et rappelez-vous, dans GTA San Andreas, il y avait aussi ce lieu, mais différemment. Et là, c'est vraiment géant. GTA 5 va être géant. Donc là, un screenshot pour vous montrer un peu la campagne avec un hélicoptère. La moto dans le centre-ville, une belle moto, donc Franklin. Avec là, vous pouvez voir des taxis, un deuxième taxi. Et là, deux autres voitures. Je sais pas vraiment ce que c'est. Là, je dirais peut-être une Vincent. Bref. Alors, qui remonte le saut en parachute. La ville géante, lumineux, magnifique. 20e screenshot. 8 minutes quand même. Donc on voit Franklin qui est en train de faire une roue tranquille pendant qu'il y a une explosion de feu encore une fois de plus derrière. Pas trop de choses non plus à dire. Là, beau screenshot, une belle Porsche. Jolie, hein, une belle Porsche rouge. Franchement jolie. Donc là, c'est pas le signe Porsche, hein. Ça ressemble, mais c'est pas le signe Porsche, hein. Car comme dans tous les GTA, Rockstar paierait jamais la licence des véhicules, des marques, donc. Mercedes ou ça n'ira jamais ça, à part avec des mods sur PC. Voilà. Parce que déjà, ça reviendrait trop 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 cher, je pense, déjà. Et pour qu'ils soient obligés de bénéficier du prix, pardon, ils devront faire de la pub, c'est-à-dire dans le jeu, ils devraient mettre des affiches de pub. Enfin bref, ça serait bien pourri. Enfin moi, je me comprends. Donc dans les GTA, il n'y aura jamais les marques de véhicules. Donc là, vous pouvez voir... Au premier plan, un hélicoptère, donc qui m'a l'air de police. Et là aussi, vous pouvez voir un grand bâtiment FIB, donc ça veut dire le FBI, tout simplement en anglais, donc on échange les lettres. Tout simplement, donc c'est le FBI, un grand bâtiment. La ville de Los Santos, le quartier, tout, c'est vraiment géant. Et les montagnes, une fois de plus. Donc là, Trevor en quad.
Donc il y aura bien des quads, hein, avec le centre-ville de Los Santos derrière, magnifique, et la police qui le suit. Donc là on se retrouve sur un screenshot où Trevor monte sur le panneau Hollywood avec la police, différents véhicules de police. Comme vous pouvez voir, il y avait des véhicules de police bleus, là il y en a des blancs et des 4x4 même. Ce qui est vraiment pas mal, et là vous pouvez voir une fois de plus derrière Los Santos. Vu qu'il n'y aura qu'une ville et ce sera Los Santos. Enfin, je crois qu'il n'y aura qu'une ville. Donc là, le centre-ville de Los Santos, une fois de plus, géant. Hein. Regardez ces géants-là, vous voyez qu'il y a un pont. Et c'est vraiment géant. Et on voit que Franklin est en train de discuter avec Michael. Ou Michael, je sais pas comment on dit. Et attendez, désolé, je suis passé trop vite. Donc là, vous pouvez voir qu'on pourra peut-être utiliser la lunette pour regarder un peu plus près le centre-ville de Los Santos. Qui sait, peut-être, ça serait bien. Donc là, on voit Trevor qui remonte sur son panneau avec un hélicoptère de police qui débarque. Donc là, vous pouvez voir si ça doit être près de la plage. Ça aussi, près de la plage de Los Santos avec des magasins qui sont vraiment beaucoup mieux faits que sur les anciens GTA. Avec. Vraiment assez joli. Ça donne vraiment d'être dans le jeu là et d'y jouer. Alors là, on revoit plusieurs trucs. On revoit déjà Trevor, elle a un peu shooté. On voit déjà une belle voiture. Et surtout elle, surtout la belle, c'est elle. Près d'un carrefour, en tout cas, moi je la prendrai tout de suite. Et je la stockerai dans un garage si on peut faire ça. Donc là, pas grand chose à dire à part que Trevor est en train de parler avec Franklin. Là, vous voyez deux bâtiments, dont un qui est en construction et un hélicoptère derrière. Et là, vous pouvez voir qu'il a une montre. Si on pourra peut-être utiliser. Je pense pas, mais bon. Trevor qui vient de faire exploser une maison. J'ai rien d'autre à dire dessus. Et voilà. Donc, on retourne. Pardon, sur la screenshot numéro 1. Donc, voilà. J'espère que cette analyse de 30 petits screenshots, enfin, pas mal quoi. Ma petite analyse à moi vous aura plu. Moi, je vous dis à plus. Prenez soin de vous. J'espère que vous allez bien et que vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Et voilà, bye!